Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared. Light my candles in our days, 'cause I found God. Bien, bonjour, bonjour à tous. Alors, bienvenue au Contest Avoria pour cette première édition. On espère qu'elle rencontrera beaucoup de succès. Pour répondre à votre question, nous on va bien. Le moral des troupes est au beau fixe. Je pense qu'on va envoyer aujourd'hui. Hier, on avait encore des doutes vu l'état du matériel, car on casse souvent du matériel. C'est normal, on fait un métier dangereux. Mais je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est assez motivé et peut-être nous allons battre un record. À tout hasard, une petite question indiscrète. Est-ce que l'étiquette devant votre figure ne vous gêne pas trop ? Non, non, écoutez, c'est les sponsors, vous savez, c'est toujours le même problème, il faut montrer les marques, on n'a pas le choix. Nous, on est pour la beauté du sport, mais sans les sponsors, vous savez très bien qu'il n'y aurait pas de record, voilà. Ok, c'était pour la première, en direct du télésiège qui monte à la première partie, merci beaucoup. Je vous en prie. From other planets, but in fact we are not aliens. We are just insane with our multicolored and all to that. And we tell we throw some eggs on the passerby when we were some fucking kids with fortune and robots. We went upstairs to the 11th floor, from bus, please stop sign. We are insane. We are insane, insane. Oh,
Chers téléspectateurs, nous sommes en direct de Avoria. Nous avons rencontré un futur célèbre skieur. Jeune skieur, comment vous appelez-vous ? Non, que, on était sûr que vous attendez. Vous faites partie du ski club d'Avoria ? Oui. Depuis combien de temps skiez-vous ? À partir de 4 ans. Donc, ça fait depuis combien de temps ? Oui, perdu. Ça fait rien. Vous êtes ici avec des profs, tout seul, avec des copains ? Des entraîneurs. C'est bien. Pensez-vous que vous allez persévérer dans un niveau relativement haut dans le ski ? Oui, j'ai ressemblé à Luc Alphand. Luc Alphand ? Mais savez-vous qu'il commence le Paris-Dakar ? Il a couru le Paris-Dakar. Oui, je sais. En voiture, en moto ou en camion ? En voiture. Bien. Et quelle marque était-ce ? Mitsubishi. Cool, alors nous avons un futur skieur, coureur de rallye. Luc Alphand, tenez-vous. À vous les studios, au revoir. Nous sommes en direct de Avoria, où on nous a envoyé, station de Rhône-Alpes. Nous avons réussi à mettre la main sur un employé. Je vais lui poser une question, une interview, voilà. Alors, bonjour, comment vous appelez-vous ? Christian. Christian. Depuis combien de temps pratiquez-vous au ski ? 4 ans. 4 ans ? Que faisiez-vous avant ? J'étais coiffeur. Ça n'a rien à voir. Comment vous découvrez cette... Est-ce qu'on peut dire que c'est une passion ? Non, pas du tout. Le problème, c'est le chômage. J'ai fait une demande à la SRA, et puis ça me plaît, c'est comme un dernier coup. Voilà. Vous faites combien de prix ? En autour de 1000 francs. 1000 francs ? Ce qui fait en France, en Suisse, donc 2000 francs. C'est pas... Ouais, on pourrait presque demander plus. Hein. On pourrait demander plus, surtout avec au niveau de l'accueil et tout ça. Voilà. Bon, enfin, ouais. Alors, si les responsables d'Avoria m'écoutent, il faut augmenter Christian. Parce que 8000 francs, c'est vraiment un salaire de DH. Que faites-vous en métier ? Je suis à la piscine à Thonon-les-Bains. Thonon-les-Bains ? Voilà. Thonon-les-Bains, êtes-vous mieux payé en été ou en hiver ? Pareil. Pareil. Alors, l'administration de la piscine de Thonon-les-Bains, écoutez-nous, il faut aussi augmenter Christian en été. Aimez-vous ce métier ? Préférez-vous ce métier en été ou en hiver ? Les deux. Les deux ? Ben, je préfère le lac quand même. Le lac ? Ouais. Skiez-vous ou foncez-vous ? Je skie. Skiez bien ? Normal. Je vais dire pour ce qui est bien. Oui ? Je vais dire pour ce qui est bien. Alors, Christian, merci beaucoup pour ces informations. Ces vidéos, rien, non ? Ah, non. Merci beaucoup, au revoir. De rien. Salut, moi je m'appelle Jean-Noël. Est-ce que tu peux nous renseigner sur les rumeurs qui courent comme quoi les caméramans toucheraient une sorte de prime de risque pour soi-disant leur métier dangereux ? Bah, il est clair que quand tu filmes, si un gars te dit bon, écoute, tu pourrais m'emmener un petit peu en là-haut, moi je vais te filmer dans la poudreuse et tout. Et c'est clair, si je me fais emporter par l'avalanche, la caméra va prendre. Ouf. Pourquoi tu vas aussi vite ? Je suis tombé. En filmant. En filmant. Ok. Bye.